Bienvenue à toutes et tous sur cette première vidéo de l'année 2022. C'est celle de la vie sentimentale pour les personnes qui sont en couple et plus particulièrement sur cette vidéo, les personnes du signe du Lion. Voilà pour les quelques mots d'introduction et donc je vais y adjoindre en fait le fait que je vous présente mes voeux pour cette nouvelle année. Que vous ayez vos souhaits qui soient comblés et plus particulièrement encore en ce qui concerne la vie sentimentale. Alors vous voyez, j'ai changé en fait la structure du jeu, du tirage en question. Alors ici, on a la partie qui vous concerne. Donc pour moi, c'est à gauche et pour vous, c'est à droite quand vous regardez l'écran. Ici, c'est la partie qui concerne votre autre. Donc ici, c'est à droite pour moi et pour vous, c'est à gauche. Et dans la partie du milieu, ça concerne donc l'interaction qu'il y a entre vous. Sur la partie du bas, la carte du bas, c'est la carte de résultat, la carte future. Ici, c'est la partie qui concerne les sentiments, donc la vie sentimentale plus particulièrement. Et puis ici, c'est le présent, donc et l'aspect plutôt de la vie pratique, la disponibilité de l'un envers l'autre. Voilà pour les premiers détails. Alors, on y va avec vous, donc où il y a la carte de l'errant qui est dans son sens inverse et qui nous dit que pour le moment, pour la période en question en tout cas, vous êtes moins disponible. Vous avez, en fait, j'ai l'impression que vous êtes dans une période où il y avait où il y a une grande passivité de votre part. Je pense que c'est dû aux circonstances, on va y venir par rapport à donc votre hôte en question. Et il y a une situation intérieure avec une crainte de l'inconnu. Le sentiment d'être dans une situation insécure. Et en tout cas, on voit que vous ne pouvez pas agir selon votre volonté, selon vos valeurs, selon ce qui vous intéresse, selon vos motivations. Alors, il se peut que vous soyez donc déjà au départ quelqu'un de timide. Je ne crois pas vraiment, mais c'est tout à fait possible. Peut-être durant cette période, notamment par rapport aux événements qui se passent autour de vous. Parce que on a en face donc la carte qui concerne votre partenaire et c'est la carte de la conjurée dans son sens inversé. Et c'est une carte déjà au départ, même si elle est dans son sens normal, est une carte qui n'est pas favorable. Donc là, ici, elle sort à son sens inverse. Donc pour moi, ça dit que, en fait, même si cette personne a bien sûr des qualités, a tout à fait, hein, qui n'en a pas d'ailleurs, c'est une personne qui est patiente, qui est persistante dans ce qu'elle fait, qui a de l'attention, mais là, ici, je pense que cette personne souhaite obtenir quelque chose de très particulier et donc elle veut contrôler la situation de A à Z et donc il y a de la manipulation. Alors je ne parle pas de maîtrise, vous voyez, je parle de manipulation dans le sens où il y a une part de très forte de séduction pour obtenir ce qui est l'objectif. Alors, je dirais qu'il faut faire quand même attention par rapport à cette attitude, parce que c'est une attitude qui peut mener au fait que cette personne peut veiller ou surveiller ou déjà connaître vos points faibles et en tirer avantage, en fait, pour obtenir justement le contrôle sur une situation, obtenir quelque chose. Voilà. Et dans l'interaction,
de la relation. Ça donne donc la carte de l'indécis. Et donc cette carte de l'indécis parle d'un manque ou d'une impossibilité de prendre des initiatives, d'un excès de prudence, de vigilance qu'il y a de l'un envers l'autre. Je pense davantage à vous que à cette personne, puisque déjà au départ, il y a ce sentiment et ce vécu d'insécurité, de passivité, de crainte, et de ne pas pouvoir agir selon vos valeurs. Donc pour moi, c'est plus ça, c'est plus vous, c'est plus votre vécu finalement, même si c'est par rapport à, c'est dans l'interaction. Mais la conséquence, je pense que c'est vous qui la portez davantage. Donc il y a un manque en fait de stimulation positive au point de vue de la relation. D'ailleurs, je pense qu'il y a aussi de la méfiance là de part et d'autre. Donc on continue avec la carte sur la partie donc sentimentale, où il y a la carte pour vous, Astrid. Donc voilà, et pour votre hôte, c'est la carte Awen. Et donc la carte Astrid nous parle finalement que vous êtes amoureux, vous êtes plein d'épanouissement, d'enrichissement, d'émerveillement, d'attirance, vous êtes enflammé en fait, je dirais, pour votre autre. Et voilà, et bon, il est vrai, selon les cartes, je sors un petit peu du jeu, selon si on s'arrête juste aux cartes, c'est vrai que elle est charmante, cette personne. Donc là, c'est une femme, bien sûr, mais je veux dire, bon, voilà, comment ne pas en être amoureux? Alors, voilà, je referme la parenthèse pour dire que donc vous êtes enflammé, il y a de la sensualité. Et de l'attirance, voilà. Et d'un autre côté, donc pour l'autre personne, en fait, cette personne est en train de vivre quelque chose, un tournant décisif. Alors, c'est peut-être pour cela que elle est sortie, cette personne, avec cette carte, sous l'indication de cette carte, la conjurée. C'est sans doute la circonstance qui est vécue au point de vue des sentiments, des émotions, un événement qui transforme en fait profondément la personnalité et qui après cette transformation, en fait, ne sera plus du tout comme avant, hein. Et ce n'est pas forcément quelque chose de facile à vivre dans cette transformation qui est en cours. Ça peut être très délicat. Donc, dans l'interaction actuelle, il y a la carte de la solitaire qui est en son sens inverse et qui dit qu'il y a de la réserve, de la retenue, qu'il y a en fait l'un et l'autre pas très envie de s'exprimer. Pas très envie de s'attacher à l'autre, ça c'est plus de votre part, malgré tout, et qu'il y a plus de, ça ressemble un peu à ce qu'il y a là, ici, c'est, on parlait de sentiment d'insécurité et d'indécision, etc., de vigilance à avoir, et en fait, ici, c'est un peu la même chose, avec une autre coloration de carte, mais c'est toujours de la réserve, de la retenue, donc de la prudence. Et en gros, il y a beaucoup de méfiance de l'un envers l'autre. Et voilà. On va aller plus loin de toute façon, vous inquiétez pas, on va aller voir plus loin pour essayer de voir ce qui se passe. Et dans la carte future, qui parle du résultat, en fait, ça nous donne le fait qu'il y a une
Une rencontre importante. Alors, est-ce que c'est une rencontre, une nouvelle rencontre, une réconciliation par rapport à votre partenaire et donc un nouveau départ? Ce que voudrait peut-être nous indiquer cette carte, c'est possible. Et ça peut aussi être justement, par le biais de ce nouveau départ, le début d'une relation qui est totalement transformée, comme on en a parlé tout à l'heure, et qui est maintenant une relation beaucoup plus enflammée que vous êtes déjà, puisque on a vu que avec la carte Astrile, c'est un amour qui est vraiment expressif et exprimé totalement, qu'il y a de la sensualité, qu'il y a de l'épanouissement, en tout cas dans la volonté. Alors, on va aller plus loin. Déjà, on va voir comment vous pensez résoudre le souci qu'il y a, en fait, le manque d'équilibre entre vous, surtout là et puis là, dans l'aspect pratique aussi, pour essayer de retrouver, en fait, une interrelation, une interaction entre vous qui soit plus dynamique. Alors, qu'est-ce que vont nous donner les cartes comme indication par rapport à ça? Alors, elle s'est posée, elle ne s'est pas retournée. Je la laisse parce que ce n'est pas là que je voulais mettre la carte. Je la laisse pour tout à l'heure. Alors, celle-ci s'est mise toute seule. C'est le roi de coupe renversé. Donc, voilà. On continue, je coupe et je redistribue des cartes. Donc ici, celle-ci, elle s'est posée toute seule. Celle-ci, on va laisser. Ici, je veux avoir une réponse là et là, et on va mettre aussi une carte là et là pour voir les changements. Alors, je regarde d'abord ici, et ici, dans la manière dont vous pensez résoudre et reprendre la situation pour retrouver quelque chose de positif entre vous. En fait, je pense que vous allez aller de l'avant, que vous allez mettre toute votre initiative, votre volonté. Alors, on me dit, en rigolant, on me dit à la charge, vous allez aller à la charge pour rattraper la situation. Et oui, parce que c'est le chariot, je ne vous ai pas dit ce que c'était comme carte, c'est la carte du chariot dans son sens inverse. Alors, c'est vrai que c'est un mouvement extrêmement rapide, qu'on a envie de se dépasser, de dépasser les événements, les circonstances qui font blocage, et que tout ça, c'est sans savoir réellement si le résultat sera positif. Et en fin de cette situation, je veux dire, on a un renouveau qui est possible avec la carte du jugement, et donc elle est dans son sens positif. Il y a de fortes chances que ce soit positif, donc votre action, vos actions, toutes les initiatives que vous allez mettre en place, que vous allez prendre. Mais par contre, ça passe par une période où vous allez devoir donc vous retrouver et discuter de vos souhaits, de comment vous voyez l'amour, comment vous voyez l'expression de vos sentiments concrètement dans le couple, comment vous allez interpréter vos gestes, vos attitudes, je sais pas, vos regards,
vos choix, vos décisions ensemble? Comment vous envisagez de faire évoluer votre couple? Tout ça, vous allez en prendre connaissance, chacun, en discutant, en échangeant. Alors, on va aller au-dessus. Oui. Voilà. Alors, on a la carte du denier, l'as de denier, pardon, l'as de bâton renversé. Ici, on a la carte de la force. Alors, j'ai l'impression que ça passe dans l'aspect pratique par une forte tension. Alors, la volonté, elle est là, ça c'est sûr. Il y a beaucoup de volonté. Mais dans cette volonté, il y a aussi, malheureusement, qui accompagne cette volonté de prendre le pouvoir dans le couple. Et malheureusement, ce que ça crée, c'est que, ici, on le voit, on a l'as de bâton renversé, ça crée des controverses, des discussions qui n'en finissent plus. Et ça peut être des disputes. Et parce que déjà, on a vu par rapport à cette carte qui est, j'ai parlé de manipulation, de vouloir prendre le pouvoir, etc. Alors, c'est confirmé par cette carte-là aussi, qui parle justement d'une très forte autorité. Donc, c'est le risque que vous n'acceptiez pas cette attitude, enfin que vous n'arriviez pas à vous entendre parce qu'il y a énormément de volonté de prise de pouvoir au sein du couple, de faire pression sur l'autre pour que l'autre se soumette à la volonté de l'autre. Et donc ça, c'est plus votre partenaire qui agit dans ce sens. Vous avez l'as de denier. Effectivement, vous voulez vous accepter de partir sur quelque chose de nouveau, de créatif, de solide, d'équilibré. Mais dans l'interaction, on voit qu'il y a du forcing. Voilà. Sur l'aspect donc des sentiments, on a pour vous, il y a donc le fou dans son sens normal. Pour l'autre personne, donc votre autre, il y a le roi de coupe dans son sens inverse. Et au milieu, dans l'interaction, il y a le roi d'épée. Donc toujours une très forte tension. Vous avez besoin, et c'est tout à fait ça, puisque vous avez besoin, je continue ma phrase, finalement, je vais rattraper après sur la première ici. Vous avez besoin de, même si vous êtes en couple, que vous aimez, que vous avez une famille, vous aimez donc l'autre personne, votre conjoint, votre partenaire, on l'a vu déjà, c'est vrai, mais vous avez besoin au sein de ce couple, d'avoir votre jardin, c'est pas jardin secret, c'est jardin, même si c'est vrai que peut-être vous avez besoin de votre jardin secret pour être un peu plus libre, autonome, indépendant, au moins dans la façon de voir les choses et de la pensée, l'expression, vous avez besoin de votre libre arbitre. Or, j'ai l'impression que vous l'avez perdu parce que j'ai parlé de soumission ici. Alors, je ne l'ai pas dit sous le mot soumission, mais j'ai parlé de passivité. Et c'est vrai que cette carte-là, quand elle est à l'endroit, elle indique justement que vous êtes déjà au départ. Ce n'est pas quelque chose que vous voulez par caprice. C'est quelque chose que vous êtes déjà comme ça. Et donc là, on parle du fait que vous l'avez perdu. Et que vous sentez coincé, comme si vous étiez dans une impasse, parce que vous n'arrivez pas à vous exprimer.
vous n'arrivez pas à retrouver la liberté dont vous avez besoin. Vous n'arrivez pas à exprimer les valeurs qui sont importantes pour vous. Peut-être que vous avez besoin de vous déplacer, de voyager de temps en temps en étant un petit peu seul pour réfléchir, pour voir les choses un petit peu autrement, observer, analyser, rêver. Et là, c'est pas du tout possible. Donc ici, le fou vient indiquer exactement le même type de choses, le même type de tempérament. C'est votre tempérament, hein. C'est pas un caprice, hein, je répète. C'est le fait d'avoir besoin pour être bien, d'avoir cet espace de liberté qui vous appartient et que justement fait partie de votre équilibre émotionnel. De l'autre côté, votre partenaire, on a dit que c'était donc le roi de coupe dans son sens inverse. Et donc, j'ai parlé tout à l'heure de transformation, d'un tournant décisif. Et je pense que ici, dans l'attitude, il y a cette façon autoritaire de s'exprimer, de vouloir influencer les choses dans votre couple. C'est aussi, au moins pour la période, je veux dire, une façon d'être. Et ce qui fait que la balance entre vous, elle est toujours tendue. La corde, on va dire une corde, elle est toujours tendue. Et il y a du tirage, en fait, c'est plus de son côté, du côté de votre partenaire. Parce que là aussi, c'est comme s'il y avait. Quel est le terme? Peut-être des caprices, des volontés. On parle d'amour, on parle des sentiments. On avait parlé de manipulation tout à l'heure. Il y a, je pense, un côté de séduction, mais séduction pour obtenir toujours quelque chose qui convienne à cette personne sans vous laisser la possibilité d'avoir, vous, quelque chose qui vous comble. Et dans l'interaction, ça fait que c'est très, très, très tendu. Finalement, il y a des mots, des termes, des attitudes qui sont. Alors déjà, c'est très. On n'est pas dans les sentiments, vraiment. Dans les sentiments amoureux, je veux dire. On n'est pas dans la tendresse, on n'est pas dans l'affection. On est plus dans la froideur et la distance. Il n'y a pas de choses, d'attitudes qui vont entraîner une situation où vous allez vous sentir entouré et dans une atmosphère chaleureuse. C'est plutôt de la distance, de la froideur, de la vigilance, très grande vigilance, surtout de ne pas heurter l'autre, de ne pas hausser le ton parce que ça pourrait aller loin. Hein, on l'a vu avec ici cet as de bâton renversé. En fait, il y a toujours de la tension dans la relation. Mais de la tension qui peut très vite s'enflammer, qui peut très vite s'enflammer, mais pas une petite flamme qui va entraîner de la tendresse ou de l'affection, avec des marques d'affection, justement, oui. Non, là, c'est plutôt dans un sens négatif. Alors voilà. Pour votre tirage, je regarde s'il y a autre chose que je peux vous donner.
Non, pour l'instant, j'ai pas autre chose. Donc, cher Lion, je vous souhaite du courage. Et puis, pour ma part, je vous retrouve sur d'autres vidéos. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.